bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir à vous tous. Et bienvenue dans la présence de Dieu. Vraiment, et le faire bien frais, Léo, il sera frais. Donc, malgré frères et sœurs qui sont là, nous montrer nos fidélités envers le Seigneur Jésus-Christ. Nous démontrer nos labos, puisque Dieu lui-même est content. Nous partageons ce soir. Dieu lui content nous, et nous aussi nous démontrer ça, l'amour qu'il nous a envers Dieu, malgré comment vraiment les temps y a capable été, malgré le vent, la tempête, les épreuves, les difficultés de la vie, mais toujours nous persévérer avec le Seigneur. Et ce soir, il y a la joie pour nous à nouveau dans la présence de Dieu. Alléluia. Merci Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Et ce soir, et donc, c'est de la joie pour nous à nouveau dans la présence de Dieu. Et ce soir, pour nous rendre la parole de Dieu ce soir, et nous les partage quelque chose, et nous mettre le titre du message avant que nous puissions lire les, donc, la parole de Dieu, avant que nous puissions lire la Bible, nous les mettre le titre du message pour nous comprendre, parce que nous pouvons expliquer quelque chose, après quoi nous pouvons rentrer dans les versets de la Bible pour lui confirmer ce qui nous peut dire l'une vérité. Amen. Qui est capable de confier une parole qui sort dans la bouche d'un enfant bon Dieu, c'est la parole de Dieu. Amen. Parole bon Dieu, ça qui vous confie. Mais nous capables de dire ça sans ça. Mais quand nous prenons ça, nous mettons dans la parole de Dieu. Si parole bon Dieu lui confirmait, la Bible même déclarait. Mais la personne capable de mentir, c'est que la Bible est déclarée. Amen. Donc ce soir, le titre, le thème de ce message, aussi un coucou spécial à tous ceux qui sont à la maison ce soir, qui sont connectés, que Dieu bénisse tout à chacun de vous. Ce soir, nous vous partageons un thème qui appelle le thème de ce message, une longue vie. Amen. Une longue vie. Dans les textes, contexte, le texte, contexte, mauricien, causé crôle, vive longtemps. Amen. Un long la vie, vive longtemps. Parfois, beaucoup de personnes, vous m'expliquez bien clair, après, nous allons guetter, vraiment, qui la vie peut dire là-dedans. Est-ce qu'il est vérité qu'il peut dire? Beaucoup de personnes, parfois, quand nous passons dans une situation difficile dans la vie, donc, il y a quelque chose qui est oublié. Nous, chrétiens, nous, enfants bon Dieu, nous pouvons vivre la promesse que bon Dieu vient faire sur le pain. Nous vivons la promesse de bon Dieu. Pas d'accord? Nous ne pouvons pas vivre la promesse qu'un Dieu nous fait. Nous ne pouvons pas vivre la promesse qu'un docteur fait. Docteur fait promesse, pas faire promesse qu'un arrête au jour pour aller depuis à toi. Nous vous verrons le message ce soir. Docteur capable de dire ça, 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 ça. Il promet nous. Mais malgré qu'il lui promette quelquefois, et il y a une bonne chose qui est arrivée inattendue. Mais là, les gens te connaissent, ils vont faire tout ce qui est capable, ils vont faire tout ce qui est dans la main, mais ils restent dans la main, mon Dieu. Donc, tu aimes reconnaître un grand bon Dieu. Amen. Et nous, les enfants de Dieu, nous ne pas vivre la vie par hasard. Nous, la vie n'est pas par hasard. Amen. Pour dire, la vie chrétienne, nous ne pas vivre la vie par hasard. Amen. Nous, la vie, nous vivons la promesse qu'il est bon Dieu de faire. Amen. Bon, chrétien, c'est pas le comprendre. Chrétien, son avis chrétien, il ne pas vivre un avis chrétien vague. Un avis chrétien vague. Il ne pas vivre un avis chrétien par hasard. Il ne pas vivre un avis chrétien qui peut n'avoir aucun sens. Non. Un chrétien, des enfants de Dieu, il vive la promesse qu'il se papa dans le ciel, il fait. Pareil comme la terre. Une famille, et une maman, papa et nos enfants. Papa, là, tu connais, mon père, demain, quand vous pouvez aller, tout ce qui est moyen là, ça, pour toi, ça, mon fils fait vos portables, les filles font une promesse. Quand arrive ça, l'état, à ce moment-là, automatiquement, dans sa circonstance-là, automatiquement, ça qui se là, il pour ses enfants-là. Par exemple, tu connais, si tu travailles bien pour l'examen, vous aurez un bon résultat, vous satisfaites ton résultat, bon, promets-toi qu'on aurait 18 ans, moi-même, toi et l'école, toi le train, toi tiens ton license, tout, pour vous le donner l'auto. Et ils ont fait tout pour tout, ils travaillent, vraiment ils travaillent bien. Quand ils travaillent bien, vraiment ils vous disent, je vais faire mon training, etc. Ils gagnent son license, là ils prennent son license, ils finissent. Promesse qu'il papa l'a fait lui, papa l'a accompli son promesse. Ouais. À combien plus forte raison qui dans les cieux nous n'aime papa? Ouais.
combien de plus forte raison sa papa, le créateur de la terre, de cieux, de tout l'univers, sa papa qui crée nous là à son image, à combien de plus forte raison quand lui fait une promesse, pourquoi pas sa promesse là pour accomplir dans la vie. Ouais. Combien de promesses que le Seigneur Jésus-Christ il fait une année, il quitte avec nous une année. Mais ce promesse disait accompli dans nous là, dans nous la vie. C'est pour cela que nous vivons la promesse de bon Dieu. C'est pour cela que quand qui circonstance capable d'arriver et passer dans la vie, quand même la circonstance difficile qu'elle a passé, et qui se reconnaît, non, elle ne peut pas arriver moi, bon Dieu, fais-moi un grand promesse. Amen. Vous comprenez ce soir-là? N'importe qui soit docteur vient, mon père est tracable, mon père est père, parce qu'il bon Dieu, il va me croire promesse. Amen. Donc, une longue vie, donc le thème, le titre de ce message, une longue vie, veut dire que nous avons bon Dieu, nous avons droit d'un bien, nous avons droit vivre aussi longtemps qu'il puisse vivre, jusqu'à nous vieillir, jusqu'à nous rassasier dans nos la vie. Vous voulez être promis ça? Amen. Et là, pourquoi? Parce que moi, je pense à un petit malade. Ah, yo, mon poumon, mon poumon, mon poumon. Il y a combien de mon poumon, mon poumon? Il dit 15 bananes encore. Quand il dit jamais, ah, yo, mon poumon. Ah, yo, bon Dieu, appelle-moi. Ah, yo. Mais ça qu'il est démontré, quand un chrétien il raisonne comme ça, veut dire, il peine la confiance dans la promesse qu'il bon Dieu. Il peine la confiance. Et le diable, même, il saisit cette occasion quand un enfant bon Dieu, lorsqu'on prend la vie, au lieu de lui vivre une longue vie, lorsqu'on la vie même, lui fait qu'il commence à prononcer une malédiction. Moi, je une malédiction, moi. Il lui prononce une malédiction. Beaucoup mort, beaucoup mort, beaucoup mort. Mais la mort et la vie, il n'est pas tout dans la même époque qui s'agit à ça. Peut-être que ce soit. Ni la mort trouve dans la main, ni la vie trouve dans la main. La vie et la mort les trouvent dans la main de Jésus-Christ, dans la main de Dieu. Lui, il est décidé. Lui, il est décidé. Moi, je confessais, je prophétisais que toutes les personnes qui sont de cette église, je vis aussi longtemps selon la promesse qu'ils vont Dieu faire depuis que je rassasié. De vie vieille, je pense en béquille, je pense en bâton, mais je vis jusqu'à te rassasier. Amen. Amen. Ah frère, je vieille que ça coulerait quoi. Tu me gagnes une grosse pension. Tu as dit. Ton pension assez. Si je travaille, je ramasse ton petit casse, il faut assez. Amen. Vive, comme le peuple de Dieu. Je viens de la vie. Amen. Je viens de la vie. Amen. Il a redonné la terre. Moi, d'après la parole, je viens de la vie dans le Seigneur. Amen. Je viens de la vie d'après la parole. Amen. Pas je viens de la vie à l'envie au cac. Tu vas pêcher la vie plus vite qu'il est capable. Donc, laisse-moi que je t'écoute. Est-ce qu'il est vrai, nous chrétiens, Dieu, il fait promesse pour nous vivre longtemps dans la terre. Un roi, chapitre 3. Pour que les enfants vivent longtemps, les enfants de Dieu vivent longtemps sur la terre, pour lui bénéficier sa bénédiction, bon Dieu là, c'est moi une condition. Il y a une condition. Une condition. Pareil quand nous sommes dans le livre Deutéronome 28, Deutéronome 28, nous disons si tu obéis à mes paroles, mes prescriptions, mes ordonnances, voici les bénédictions qui vous accompagneront. Et une condition. Attends, il y a une condition. Mais nous pouvons guider pour vivre une longue vie. Pour vivre une vraie vieillesse. Une bonne vieillesse. Et une condition. Si nous rendons la condition là, nous suivons la parole là. Bel et bien. N'importe qui est capable de passer de l'école, la chair, ça. Et là, tout qui sont passés là-dedans. N'importe qui est passé qui est arrivé. Donc, bon Dieu, lui ne m'appelle toi. Mais la personne capable, rachète-toi de la même bouche. Mais comment ce soir? Dis-moi bien ce qu'il y a envie. Aïe, frère, ces enfants de ma malédiction, de ma mort, lui capable, Dieu ce qu'il y a envie. Pas lui qui décide, bon Dieu qui décide. Amen. Parce qu'il ne peut pas vivre la parole du monde, moi. Il faut vivre la promesse, bon Dieu. Ce qui est bon Dieu, diamant, ça même. Pas la plus, pas la moins. Donc, moi qui t'écoute,
la promesse de Dieu. Et je vous prends aussi beaucoup de notes, nous vous prends, beaucoup de versets. Je suis capable d'aller étudier ça à la maison. Pas faire aucun devoir pour retourner. Vous ne connaissez pas pour quelqu'un d'autre après. Avec ce devoir, je te mets. Avec ce devoir. Et je vous trouve vraiment sa promesse-là pour nous tous. Pour nous tous. Ben, comment nous dire dans le monde, il y a beaucoup de l'amour prématuré. Maintenant, j'ai dit ça, il me voit sur les temps. Il fait ça, il gagne ça. Mais ça, pas pour nous. C'est pas pour nous, ça. Pas pour nous, ça. Nous, enfants, bon Dieu, de nous un long âge. Amen. Nous allons mettre la parole de Dieu qui lui dit là-dedans. Est-ce qu'il peut dire là une histoire, ça, ou c'est une réalité, ça? Amen. 1 roi, 3, 14. Nous le lisons au verset 13. Amen. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé. De richesse et de la gloire de telle sorte qu'il n'y aura pendant de toute ta vie aucun roi qui soit comme qui soit ton pareil. De verset 14. Et si tu marches dans mes voies en observant mes lois et mes commandements comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. C'est moi et une condition. Cette condition, c'est quoi? Et si tu marches dans mes voies en observant mes lois et mes commandements. Laisse-nous couvrir la tête, nous bénis Dieu pour ce parole. Papa, dans le nom de Jésus-Christ, mon louez-toi, papa, mon priez-toi, mon bénis-toi, Dieu, pour glorifier, pour rendre grâce à toi. Merci pour ta parole vérité, ta parole qui vivante, ta parole qui vient et pleine de la force. Sa parole-là, il nous réconforte. Chaque personne qui l'a ce soir, le jeune, moins jeune, des personnes âgées, Seigneur, et notre les anciens. Seigneur, c'est une parole pour toutes les personnes à qui te fait la promesse, Seigneur Dieu. Papa, vous glorifiez-toi pour sa grande promesse-là, papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, notre Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Comme dit le titre de thème de ce message, une longue vie. Une longue vie veut dire vive longtemps. Et la vie bien longue veut dire vivre longtemps. Et nous pouvons guetter le Saint-Esprit pour montrer nous comment un chrétien est capable de vivre longtemps dans sa vie. Ouais. C'est ça que nous pouvons guetter ce soir. Donc, c'est ça que nous pouvons expliquer. Parfois, nous disons, dès qu'il nous passe par une maladie qui diminue dans le bien, qui diminue. Diminue, dit, aïe, ton malade là, il est bien grave ça. Ton malade là est donc bien grave. Et dès qu'il nous donne Dieu dire ta malade là aïe, est bien grave, tout de suite une question négative vient dans nos pensées. Aïe, mon pou, quoi, aïe, mon pou, vous mou. C'est la première réaction qui parfois les vient dans nos pensées. Et là, nous finit prononce. Nous venons prononcer la mort, nous prononçons la mort le nous-mêmes. Nous venons prononcer la mort le nous-mêmes. Donc, quand Dieu lui vit préserve, Dieu lui peut préserve nos vieillesses, Dieu lui peut garder nous pour nos vieillesses, Dieu lui peut veiller nous pour dans nos vieillesses, nous qui nous peut faire en retour, nous et nous la bouche nous peut dire aïe, mou, mou, mou. Qui est malade qui est dans la terre, qui Jésus-Christ n'est pas capable de guérir? Est-ce qu'un qui est malade dans la terre, Dieu ne peut pas guérir? Quel problème qui est capable d'exister dans la terre, qui pour Dieu peut être la solution? Tout problème vient de ça? Tout problème vient de la solution. Amen. Nous avons 10 mondes, vous parlez comme ça, c'est pas un chrétien, nous guettons. Pas un chrétien, nous guettons pas un zèle, nous guettons vieux. Une vie dans ICU peut vivre seulement en l'appareil, en la pompe. En l'appareil, en la pompe. Tout le monde qui a vu guetter, bouge la tête, dit mon Dieu, pas mon Dieu, dit mon Dieu, aïe, ça, 24 heures, vous donnez. 48 heures, vous donnez. Ça, d'après le docteur, peut dire là, qu'il faut rien qu'il y ait quelques heures. Quand Dieu dit comme ça,
tout de suite nous accablé. Nous accablé. Qui nous fait? Nous accablé. C'est moi quelque part, oui, quelque part, non. Nous accablé qui fait? Parce qu'il nous donne la chair. Donne la chair. Nous donne la chair. Et surtout s'il nous pose, nous dit ça, etc. Et quelquefois, et même un membre de la famille, lui donne la chair, oui. Et l'inquiétude, et la peur, saisis-nous. Saisis-nous, nous allons rendre un bouleversement dans un tel tourment pour nous-mêmes, nous allons tourmenter nous pour nous-mêmes. Qui fait? Bon Dieu, pas que Dieu, toi, vous pouvez prendre libre, vous pouvez aller. Bon Dieu, pas Dieu. Dieu, mon Dieu. Dieu, mon inquiété, il trouvait. L'indir. Il fait son analyse, il estime l'indir. Et nous croire là-dedans. Nous croire, nous vivre dans le bouleversement, dans etc. Moi-même, plusieurs personnes font vivre à la pompe. Moi, j'ai un petit frère qui fait un accident fatal. À ICU. Il vit à la pompe. Là, il y a un docteur qui s'appelle le docteur Asopa. Tu vis avec son caillou dans la tête. Pendant qu'il doit peut-être faire ce travail sans consentement parent, il finit au PLI, à soi. Ici, tout, nous, tout, dans la famille, tout chrétien, qui nous fait, nous nous finis réunis. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Prier. Prier. Docteur, quand il y a l'OPSA, il dit 50 pour autres, 50 pour. Mais à bon Dieu, il peut être 50-50. Amen. 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 Dieu vous dit, vous donne la vie. Et 50-50. Parfois, nous rentrons dans l'émotion, nous rendons dans 50-50 là. Là, là, vous trouvez, finalement, vous êtes plus malade que ça dit dans ICU. Là. Vous connaissez qui est arrivé là? Pensez que vous tendez, ou ne prenez en considération. On a tué ou la foi par le doute qu'il met dans le cœur. Parce qu'il a la terre là, bon Dieu, il dit la vie et la mort dans vos mains. En tant qu'il est un enfant, bon Dieu n'a pas pour l'esprit pur à périr, à gagner la mort, comment on appelle ça? Prématuré. Prématuré. Quand nous gagnons, quand on se peut, c'est moi faire bien attention. Frère, comme un zendel, il mot, pour avoir une cause désotéraire. Mais ça vient dans la tête. Quand ça vient, c'est 13 et 14 là. Il y en a un, dans le verset 13, le verset 13 et 14, le verset 14, et il dit, et si tu marches, il y a une condition. Mais si nous ne baillons pas sur condition, sur la loi, sur prescription, sur l'au-delà, veut dire que nous sommes en dehors, calme. Mais en dehors, calme, bien sûr, ou pas le cogner. Tant qu'on reste dans le cadre de Dieu, tant qu'il reste la parole, bon Dieu, quoi n'est pas qui peut arriver, bon Dieu, pour petit bout de faveur, pour protéger. Parce qu'il dit, je ne te délaisserai pas. Et ni je n'ai t'abandonnerai. Ni pour délaisser toi, ni pour abandonner toi, quand tu peux passer dans un moment difficile. Tu es capable, on pourrait dire, tu es capable de passer dans une situation difficile côté la santé. Tu es capable de passer dans un ICU, tu es capable de vivre avec la pompe. C'est moi même dans la pompe là. Bon Dieu n'a pas pour abandonner toi. Amen. Tu peux comprendre ce soir? Bon Dieu, pour Dieu, pour toi qui fait, pour qu'il lui son nom, lui glorifie. Quelquefois, c'est nous qui prononce le mal, l'eau nous-mêmes, dans la circonstance qui nous traversait, qui nous guettait et qui nous tendait. Ne pas vivre par la vue. Amen. Par qui nous vivons? Par la foi. Par la foi. Nous pas guette selon l'apparence qui nous fait confiance. L'apparence est trompeuse. Mais si nous pas vivre par l'apparence, nous pas vivre
sans la foi, pero qui nous a pas tout pour vivre. L'eau nous bon, nous a pas le bon Dieu. Et le bon Dieu, quand nous a basé, c'est pas le sur pas, parole. Ça, la Bible a rempli la promesse de Dieu. Ça. Alléluia. Ça, quelque chose qui concerne les enfants de Dieu. Et la promesse que ça, la Bible a déclaré. Mais seulement, malheureusement, parfois, nous ne pas connaître sa bonne promesse là, nous ne pas trouver sa bonne promesse là. Vous connaissez qui fait nous pas trouver, et qui fait nous pas trouver, et qui fait nous pas connaître sa bonne promesse là, parce qu'il nous paraît assez de temps pour la Bible. Les devant nous-mêmes, lui. Nous pas trouver. Si nous trappons la Bible aussi à la légère, si nous trappons qu'elle n'est pas cherché, nous pour trouver. Amen. Si nous trappons qu'elle n'est pas cherché, nous pour trouver. Ce qui pour chercher, nous pour trouver la Amen. Donc c'est pour cela que vraiment la promesse bon Dieu nous fait faire pour que nous, souvent des enfants, nous vivons aussi longtemps depuis qu'il nous rassasie de la vie. Amen. Elle a vu rassasier. Venez vous vivre être qu'elle a vieillesse. Et pas vous vivre une vieillesse malheureuse pour nos bon Dieu blasphémer. Ou pour vivre une vieillesse qui est heureux. Amen. Ou pour capable vivre. Dieu vous capable vivre. Ça, c'est la promesse, mon Dieu. Pas comme vous tombez malade, vous pouvez souffrir d'être malade. Aïe, vous pouvez mourir. Qui ça, ça Amen. Mais je connais quand vous mourrez. Dieu pour moi, comment vous parlez. Ça, c'est le bon Dieu qui connaît. Partons de ce soir. Amen. C'est Dieu qui connaît. Dieu qui connaît et le bon Dieu qui décide. Comment personne, même si vous bougez une allée, après Dieu verrait de tout ça. Pas trouvé. Après, nous faisons un grand témoignage dans l'au-delà. Dieu dit allez, un témoignage, un Dieu qui doit trouver, à raconter. Moi, vous êtes pas là. Mais de son lamé, ça. Dieu de son lamé, ça. Maintenant, si nous l'avons dans son lamé. Quoi qu'il nous est passé, nous peut traverser. Mais nous avons une assurance qui nous l'a dit, de protéger, de garder dans la main de Dieu. Amen. Ce qui peut traverser, c'est nous lâcher qui peut souffrir. C'est nous lâcher qui peut souffrir. Mais ça, la vie là, comme le photophone qui nous expliquait, la vie, c'est qui donne dans la vie là. C'est là, est-ce que vous pensez à vous penser? C'est assez clair. C'est assez clair. En attendant, en tant que vous avez mon Dieu, vous pouvez mort d'après vos paroles, vive papa. Vive les amis heureux de la terre. Attention ce soir. Amen. Parce que Dieu nous fait la promesse ça. Et nous pourrions être aussi dans un roi, je prolongerai tes jours. Et aussi dans le livre de Job. Dans le livre de Job, le chapitre 5, verset 26, qu'à prendre note, lui dire, tu entres, qu'est-ce qu'il dit pour Dieu, quelle est la promesse pour Dieu qu'il fait? Quand Dieu me fait la promesse pour ce bon serviteur, pour ce bon apôtre, pour faire bon disciple, je vais penser à sa promesse là pour nous, c'est ça? Attention, le Dieu de Jacob, c'est qui Dieu ça? Nous? Bon Dieu. Le Dieu de Daniel, c'est qui ça? Bon Dieu. Le Dieu de David, c'est qui ça? Bon Dieu. C'est nous, bon Dieu ça! Quand Dieu peut dire à cette personne-là, mais moi, je prends pour moi, cette personne-là, c'est vraiment, c'est peut servir toi, mais moi aussi peut servir le même Dieu. Si sa promesse-là vous autres, ça, mais promesse-là, c'est pour moi, ça. Amen. Attention ce soir. Amen. Et la Bible pour Dieu dans le livre de Job, le chapitre 5, verset 26, qu'est-ce qu'il dit? Tu entreras dans la tombe en pleine vieillesse. En pleine vieillesse. Tu entreras dans la tombe en pleine vieillesse. En autre mot, qui peut dire, en pleine devine rassasiée de la vie. Amen. Après quoi, on appelle toi. Après, pourquoi appelle toi? Viens en attendant qu'il donne l'occasion de quoi? De vivre. Amen. Bon Dieu, donne-nous l'occasion de vivre. De vivre. Le Dieu te courant de ton tombe. Et surtout, bien vous. D'accord, pas d'accord. Amen. Sauf si le Seigneur Jésus-Christ vient, il ne doit pas par là-bas. Mais tant qu'il n'est pas venu, quand nous venons vieillir, nous venons rassasier de nous la vie, il y a perdu, il ne passe pas le premier mot. Amen. Il y a le premier mot. Amen.
Il vient passer par ça. Mais quand nous passons par là, il vient te prendre de ton toi, te prendre de toi. Laissez-moi t'entendre, te prendre dans ta vieillesse. Le mot vieillesse, qu'est-ce que je peux dire? Hein? Bien vu, bien vu. Quand on vient, veut dire que bien vu. Elle dit, aïe frère, c'est un problème là pour tous les mois, tout pour garder ça. Ça peut être tout pour tirer mon avis pour garder ça. Ça peut être tout pour prendre mon avis. Qui c'est qui a pris la vie? C'est Dieu. Pas des circonstances qui vous prononcent négatives. Pas des circonstances où vous prononcez l'amour. Amen. Et quand vous prononcez ça, le diable est content. Lui est content. Lui. Bon, moi, je suis comme un poussisé, moi, l'âme aussi, nom Jésus-Christ, bien glorifié. Moi, tout le monde, je demande des enfants. Un jour, mon poussisé, vous parlez, mais mon âme, nom bon Dieu, vous puissiez être glorifié. Amen. Parce qu'il fait, il peut bénir moi, il peut permettre moi de vivre de l'âge en l'âge, pour puis aller, et même il fait la promesse. Dans ta vieillesse pour rajeunir toi comme Dieu l'aigle. Amen. Je te prends la Bible pour que sa promesse là, pour que devant la grâce, pour que moi, je dis à mon Dieu, ta parole peut accomplir, peut certifier tout ce qui te dit, il peut vivre dans mon âge. Amen. Là, pour faire la comparaison, c'est lui qui ne parle pas comme Dieu, mais qui quelqu'un peut travailler ensemble comme aux jeunes autres. Là, pour que les autres, pour porter une fille qui a 10 ans, qu'elles ont plus petit. Je dis à mon Dieu, quelle grâce. Amen. Et bon Dieu, pour permettre moi de vivre aussi longtemps qu'il y en est. Et tant qu'il pour faire moi vivre, il faut que moi bonne santé. Tant qu'il pour faire moi vivre, il faut que moi qu'il vous comme les pieds. Tant qu'il pour faire moi vivre, il faut que vos oreilles continuent tendées. Il faut que les yeux continuent trouver. Il faut continuer moi la bouche causée. Mais c'est même à cette bénédiction ça. Amen. Donc vous vieillez, vous êtes capable de lever, marcher, faire tout. Vous avez une bénédiction ça. Amen. Mais Dieu prononce l'amour dans la vie. Que vous pensez, aïe, moi fini pour mon compte. Qu'est-ce qui est fini pour compte? Qu'est-ce qui est fini pour compte? Papa, il dit, frère, pour que nous avons pas combien de malédictions de moi. Laissez Dieu ce qui y a. Dernière parole, c'est mon bon Dieu qui tient. Amen. Si mon innocent, toute malédiction tombe au pression, pour moi, dis y aller. Amen. Pas d'un ce soir. Amen. Qui fait vivre dans l'inquiétude? Qui fait. Nous puissions vivre dans l'inquiétude en tant qu'ils apprennent pour Dieu. Et il y a toutes choses pour passer devant nous, dans qui nous pouvons passer. Mais quand on passe là-dedans, ce n'est pas dire qu'il finit pour l'époque, pour les temps. Non! Dieu, comme tout le temps nous dit dans le livre de Jérémie, Dieu est un plan de bon bonheur pour ça là. Pour Dieu, vous en dites? Pour? Il y en a qui me dit à Job, quand le petit lien dans le livre de Job, il dit, les gens te pourront dans ton tombe, dans ton vieillesse. Quand on vient, le Dieu donne bien dit. Quand Dieu nous dit quelque chose, quand Dieu nous dit une parole, ce parole paraît une vérité tant que parole n'a pas accompli. Abîme-nous, nous la promesse, bon, bon Dieu, n'a pas câblé. Beaucoup de personnes, dès qu'il y a un membre de la famille tombe malade, ils commencent à câbler, bouleverser. Non! Non, il n'est pas arrivé. Je n'ai confiance dans mon Dieu. Et on peut mordre d'après la loi, mon Dieu. Amen. On peut mordre dans la justice, dans la droiture, dans la vérité, dans la propreté, dans la sainteté, dans la pureté, dans la sanctification. On peut cause de la vérité. Amen. Ou la vie bénit pas béni. Amen. La vie bénit ça. Amen. Et tant qu'on vit de sa façon-là, on la vit. Pour bénir, il bénit. Il peut bénir des années après l'année. On peut bénir. Sans qu'on peut rencontrer, ou là, on peut aller, ou le jour, on peut multiplier, on peut aller même. Ou si on rentre dans vieillesse, quand on rentre dans vieillesse, on peut dire, hé, les gars, c'est 100 ans, jusqu'à 50 ans ça. Hé, jusqu'à 40 ans ça. Mais qui va nous rajeunir comme des lettres? Parce qu'il peut vivre sa parole. Amen. Ce parole est connecté avec sa promesse. Amen. Donc sa promesse est connecté avec sa bénédiction là. Et donc connecté dans sa parole là, connecté dans sa parole, connecté dans sa l'obéissance là, ou connecté dans sa bénédiction là, ben, ou en bas sa bénédiction là, on fait vivre.
Amen. Mais comme vivre pour sa bénédiction là, quatre côtés, ou la vie, quatre côtés, les protéger. Amen. Les protéger. Amen. Bon Dieu, protéger ça la vie là, jusqu'à qu'il ait décidé, les pouvoir belle sa la vie là, ou les pouvoir sa la vie là, Dieu qui décidait. Ben, l'expérience qui nous vit, nous guettait, nous assistait, nous trouvons Dimoun, comment on pourrait dire, Dimoun vivre à la pompe. À la pompe. Dimoun vivre seulement avec oxygène artificiel. Quand le docteur s'accueille la tête, Dimoun est levé. Et Dimoun est encore vivant. Amen. Il est encore vivant. Mais ça qui garde vivant? Dieu. Il faut, c'est quand il est vivant. Oui. Mais tant qu'on marche à bon Dieu de sa parole, le pouvoir nous vivre. Amen. Sa parole, ça me dit beaucoup de gens par rendre compte ça. Sa parole, bon Dieu, la même elle a la vie. Là. Amen. Mais c'est ma parole, bon Dieu, mais dans le cœur pratique. Vous pouvez? Amen. Parole est la vie. Amen. Je ne suis pas parole aux états de côté. Ce n'est pas la parole qui me cédait. C'est la vie qui me cédait. Alléluia. C'est ça qui donne nous la vie. Sinon, longtemps, je ne ferai pas qu'on arrive. C'est ça qui donne nous la vie. Donc, nous devons sortir de l'esprit de l'inquiétude. Sortir de l'esprit de l'inquiétude. Qui ne peut pas se troubler. Qui ne peut pas se bouleverser pour nous. Si on appuie la parole de mon Dieu, ou garde sa promesse de mon Dieu là, malade, comment malade, circonstance, quand qui vient, lui pour venir, pour traverser, qui a souffert, mais c'est mort, ça, la vie là. Personne n'a pas le droit de toucher ça. Amen. Ni dans la main des Jésus-Christ. Ni dans sur la main ça. Amen. Et vous pouvez apprendre. Vous pouvez apprendre vivre la promesse pour Dieu. Amen. N'a pas vivre ce qui nous tendait en dehors, ce qui nous guettait en dehors, ça nous tombe dans le trou. Apprendre vivre. Quand on apprend vivre la promesse pour Dieu, veillez au-dedans de vous, où on a confiance. Beaucoup, beaucoup confiance dans au bon Dieu. Amen. Et un chrétien qui n'a beaucoup confiance dans son bon Dieu, il paraît comme un homme planté auprès de la couronne de Dieu. Amen. L'autorité, il peut être un fruit. Amen. Il peut être un fruit de hier saison, de sa saison là. Amen. Veillez, il peut tous les temps, il peut faire béni. Béni. Mais quand il est connecté, avec la parole. Avec la parole. La parole. C'est un chrétien connecté avec la parole. Les choses arrivées, laisse la parole djibout pour. Pas tant de ce soir. Amen. Laisse la parole djibout pour. Quand la parole djibout pour vous, c'est ça même pour élever. Amen. Donc, dans le livre de Job, il dit comme ça, et tu entreras dans la tombe, dans mon version, il dit, tu entreras dans la tombe, en plein vieillesse. Pas commencement vieillesse, pas la moitié vieillesse. Veut dire qu'il te vit jusqu'à qu'il donnera sa santé. Et quand nous regardons dans le livre de Somme, dans Somme 91, nous prenons notre malin, nous prenons plusieurs versets de vous citer là. Somme 91, verset 16, lui dire, je les rassasierai de longs jours et lui fera contempler mon salut. Amen. Tu le fais nous? Rassasier de longs. Long jour! Somme 91, verset 16, il dit, je le rassasierai de longs jours. Peut-être que tu as longtemps, tu vas tenir que longtemps, je lui ferai contempler mon salut. Amen. Amen. Tu fais vous habiter dans l'inquiétude. Amen. J'ai tout le point de message spécial à toute bonne personne âgée qui peut rentrer dans l'as, qui déjà dans l'as. Pas inquiète, je te l'en demain. Amen. Amen. Je te l'en demain, les rassurer dans la main de dans la main de Dieu. Qui fait nous prendre dans ta vision? Comment le gars, elle dit, aïe, vous mou, vous mou. Mais qui fait tous les jours, quand on était tantôt, aïe, mon Dieu, merci, mon Dieu, que vous permettez de souffler la bougie 100 ans. Amen. Amen. Je veux pas dire. Vous passez. Hein? Vous passez qui fait? Parce qui? Oui, non? Ou doute ou même ou doute ou même. Qui ne peut pas vivre 100 ans. Qui ne peut pas, pas souffler 100 ans. Les mondes peuvent souffler 100 ans pour arriver 100 ans où?
Parce que j'entends. Le monde pas parfois maladie. Le monde pas parfois maladie. Le monde pas de maladie, d'accident, dans toute catégorie qui sont les passés. Malgré c'est là où tout. Voilà, je n'ai pas cadré, de souffler. Donc, je vais les 100 ans. Les dents, ben, elles souffler 100 ans. À combien il faut de raison qui fait nous, les enfants des dieux, les chrétiens. Laisse-moi confesser que ce mot prophétisé. Dans ça, l'exemple, on a 100 ans. Amen. Est-ce que vous croyez dans l'exemple, on a 100 ans? Amen. Prenez la 100 ans, vous soufflez. Amen. Vous coupez, gâteau, pas gâteau, nous avons un bâtiment nouveau, nous avons la salle spéciale pour 400. Amen. Amen. Alléluia. J'ai confessé? Amen. J'ai confessé? Amen. Si vous pouvez confesser, ah, vous, mais vous pouvez pas confesser. Allez, vous pouvez pas confesser jusqu'à 30 ans, quoi. Amen. Amen. Mais, quand nous venons la parole de Dieu, Dieu donne jusqu'à 120 bananes. Qu'est-ce que vous pouvez réussir après 100 ans pour vous réussir? Amen. Faut nous vivre un chrétien vivant, nous, pas dans eux. Alléluia. Avec un chrétien, bolo, aïe, aïe, j'attends. Quand on passe par la maladie, tout ça peut être là. L'épreuve, tout peut être là. Pas dire que pas peut être là. Quand on passe par la maladie, vous avez docteur, vous avez des affaires. Ah, je vous connais qui sont moi. Aussi longtemps, mon bon Dieu pouvait m'en vivre, il pouvait m'en vivre. Amen. Fais le docteur, fais-le. Docteur, fais-le. C'est ça qui nous a gardé dans les derniers temps. Amen. Et l'église, celle qui dans l'église, elle a jeune, elle a un adolescent. Et là, on quelqu'un qui nous dit, ben ancien, tout ça là font partie de l'église. Tout ça font partie de l'église. C'est dans l'église, maintenant, en tant qu'il nous dit, ben ancien, c'est nous-mêmes nous donnons un mauvais témoignage, ben jeune qui d'ailleurs. Un témoignage pleuré. Ça, c'est une génération d'ailleurs, nous, dans l'église là, ici, pour venir un jeune pleuré. Parce qu'il va enchaîner un peu pleurer. Amen. Et le peuple pleurer, qui fait? Parce qu'il ne se pas connaître une bénédiction. Il ne se pas connaître qui a été promesse pour Dieu de faire. Amen. Il dit comme ça, pour faire lui vivre dans son 80. Il dit pour rassasier lui de longs jours. Et vous pouvez faire lui contempler mon salut. Amen. Quelle grâce, de quelle grâce? Quelle grâce. Dans le livre des Proverbes, chapitre 3, le verset 10. Nous fixerons ça dans l'écran, s'il te plaît, si possible. À partir de là, nous mettons ça dans l'écran, à partir du Proverbe. Mais le verset là, qu'à part ça, s'il te plaît. Alors, il y a le verset là, pour nous suivre ça, le tableau là. Dans le livre des Proverbes, chapitre 3, le verset 10. Il dit, quand ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Amen. Vous voyez la promesse de mon Dieu, comment il est merveilleux. Amen. Il dit, Proverbe chapitre 3, verset 2, il dit, car ils plongeront le jour et les années. Les jours et les années de ta vie. Ton jour, ton balcon de banané. Il prolonge sa journée sur l'année. Dans ta vie, il prolonge. Et lui augmente de la paix. Amen. Le même de ton vieillesse. Tu peux passer ton vieillesse, ton vieil jour, dans la paix, dans la tranquillité. Amen. Mais c'est pas la condition de verset 14. Amen. Que nous finissons tout à l'heure. Un roi, chapitre 3, verset 14. Si tu manges, la clé là, c'est là. Si tu manges dans la foi, mon Dieu, dans son parole. Sur prescription, sur parole en pratique, mon retire. Si dans toi, dans la justice, la droiture, la vérité, et dans, comment nous dire, la pureté, la sainteté, la sanctification, tout dans ce plan-là, bien sûr, il prolonge ton jour, il prolonge ton année. Amen.
Amen. Et quand les péchés augmentent la paix, moi arriver à comprendre. Donc, même ta vieillesse, les bougons en bonne santé. Et quand nous sommes dans le livre de Proverbes, quand je suis sur l'écran, s'il te plaît, mes enfants, Proverbes chapitre 9, on va terminer, chapitre 9, verset 11. Qu'est-ce qu'il dit? J'aime dire, c'est pas pour Jimoun, pas docteur, Jimoun qui dit, pas dit, c'est pas pour Banna qui dit, mon vieillesse décidé. C'est pas pour Banna qui voulait un grand long la vie. Proverbes chapitre 9, verset 11, dit, c'est pour moi que tes jours se multiplieront. Amen. C'est pour moi, c'est ça. Yahoo, pour moi c'est là. Et que tes années de ta vie se monteront. C'est pour Dieu. Proverbe chapitre 9, verset 11, que c'est pour moi. C'est pour moi qui ton jour et ton année mais vous multipliez. Et qui vraiment de l'année de ta vie, mais vous augmentez. Tout dans la vie, vous montez ça. Ne confirme pas confirmer ce qu'il dit. Nous la vie. Nous vieillissons. Comment dans la même bouche, tant bien. Nous vieillissons. Comment dans la même bouche, et vous terminez dans la même bouche. Amen. Ça parcourt là. Ça parcourt de nous vieillissons. Les scellés dans la même bouche, c'est seulement pour nous être dans 1 roi chapitre 3, verset 14. Un roi, chapitre 3, verset 14. Dans qui sa personne là, il nous appelle la parole là. Il est capable de malade, il est capable de faire qui quoi capable d'arriver. Mais ça porte là. Ça c'est spécialement bon Dieu dit. Amen. Parce que bon Dieu fait promesse. Ça bon Dieu fait promesse. Si bon Dieu fait promesse, moi vieillesse les béni. Moi qui m'aidais pour qu'on fasse négatif le mot vieillesse. Qui fait bien prononce négatif le mot vieillesse. Après, vous connaissez mon gars, tel malade ou vous mot. Qui a tel malade ou vous mot. Un monsieur picteur, un petit lafier, tu n'as pas mot. Donne bien. Un petit lafier, vous avez écouté une émission hier, quel programme ça? Lui dire, qui animaux? Qui tue plus beaucoup de monde dans les mondes. Hein? Moustique. Moi, quand même, dans ça, quelqu'un qui ça, vous dites, allez, moi, lion, serpent. Elle vous dit, elle répond, moustique. Bravo, il gagne 5 points. Elle programme midi ça. Moi, je dis à mon gars de points. On apprend quelque chose. Pour bananer, ça 3 millions, combien de monde est tué, moustique. Et qu'un simple la fille vient d'une pébo. Une pébo. Parce qu'il n'y a pas comme Dieu. Nous, dans qui nous passons? Dans qui nous passons? Covid. Pas dans Covid, non. Comment ça peut nous saper? Comment ça peut nous saper? Quand vous êtes en Italie, en Brésil, dans l'Inde, l'Inde n'est pas brésilien, 10 points finis. Vous voyez comme vous connaissez 10 points? Ils étaient Timoun de la rivière Gans. Vous avez sa programme là. Il y en a pendant le gouvernement qui fait sa banque cadavre là. Il finit vite les squelettes, la moitié les autres, finit tout détruire, tirer. Là, il finit hanté les autres. En Brésil, en Italie. Italie et dans l'Europe. L'Europe, il fouille tranché avec massé de caterpillars, fouillé. Il installe Timoun dedans. Mais comment ça peut nous saper? Comment ça peut nous saper? Alléluia. Comment vient les dimanches ça s'appeler dans Maurice? Alléluia. Comment vient les chrétiens saper? Qui fait? Parce qu'il a mis l'amour de la main de Jésus-Christ. Pendant qu'il Covid peut nous sauver le côté, malgré que l'église fermait, mais chrétien dans la prière. Rayon peut faire dans la case en direct, la parole de Dieu peut prêcher, l'évangile peut prêcher, peut encourager du monde, peut soutenir du monde par la parole, peut fortifier du monde par la parole. Amen. L'église est capable de fermer, mais la parole de Dieu va fermer. Amen. Qui ça nous? La part. La parole. Amen. Et quand nous terminons, quand nous guettons d'ordre du Dieu, là, quand nous guettons tout ça là, nous sommes capables de dire pour moi, quand nous guettons les mondes qui peuvent arriver,
Dieu nous rendait construire, bien la cage, il construire, il plantait, belle chose, il plantait. Là, nous disons, frère, tu serais planté, nous qui savons parler, et l'autre dimoun qui pouvait venir de ça, jours. Ça veut dire ça, frère, et l'autre dimoun qui pouvait venir de ça, frère. Moi, je vais grand la cage, tout le temps, mon boussier, moi, aller, et l'autre dimoun qui pouvait venir de ça. Moi, je fais tant plantation, et l'autre dimoun qui pouvait venir de ça. Mais laisse-moi dire quelque chose ce soir, selon la parole. Tout ce qu'une terre pour la main, ou un pour hériter, ou un pour gérer avant d'aller. Dans Ésaïe 65. Nous terminons. Ésaïe 65. Là, nous sommes comme mort avec bon Dieu. Mort d'après la parole. Bon Dieu, pas pour quitter nous à terre. Ce qui nous fait, ce qui nous. Quand nous disons, nous verse, nous la sueur, nous transpiration. Bon Dieu, pas pour laisser nous perdre ça. Qui est l'autre jour, nous pour jurer après nous voiler. Ésaïe 65, le verset 22. Ils ne bâtiront pas de maison pour qu'un autre les habite. Tu nous rangeais, tu même restais, tu même te suis. Attends, ils ne planteront pas de vie pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Amen. Amen. Nous vous jouirons. Le travail de nous, la main. Nous construire, nous bâtir, nous faire tout ça, nous sacrifier nous. Pas un autre qui veut jouer ça. Non! Ton jouer jusqu'à ton vieille, jusqu'à ton rassasié. Les toilettes, tu vas héritier, tu vas nous avoir un grand, tu vas nous avoir continuer à la vérité. Veut dire que tu vas travailler, tu vas bâtir en vain. Tu vas me planter pour l'autre venir pour casser puis tort pour lui l'immense qui te planter. Te planter, tu même casser, tu même manger, tu même jouir. Mon compagnon qui se donne tout ça là. Tout ce qui te fait te la main, te verse de transpiration, c'est toi même te poursuivre dans ton Amen. Amen. Qui fait de plein plein. Qui fait de plein plein. Pour terminer, Zacharie. Zacharie 8.4. Nous terminons. Zacharie 8.4. Mais nous avons le tableau là-haut. Dans Zacharie, qui dit là-bas? Le livre de Zacharie. Chapitre 8, c'est ce qu'il vous dit dans Zacharie. Chapitre 8, le verset 4. Ainsi parle l'Éternel désormais, des vieillards et des femmes âgées s'assieront encore dans les rues de Jérusalem, chacun le bâton à la main, à cause du grand nombre de leurs jours. À cause du grand nombre de leurs jours. Veut dire qu'ils ont pu vivre depuis bien longtemps, malgré le persisé de bâton. Malgré le bâton de persisé. Mais quand vous lisez ce verset, faites comment la Bible vous montre une chose extraordinaire. Chaque enfant bon Dieu, écoute bien, on va terminer. Chaque enfant bon Dieu qui vit dans les pieds bon Dieu, qui reste en bon Dieu, qui fait bon Dieu beaucoup confiance. Sur la vie, il vit jusqu'à sa vieillesse depuis qu'il est rassasié. Amen. Amen. Mais vous redire la clé centrale. La clé centrale, c'est un roi. Un roi, chapitre 3.
le verset 14, ça la clé centrale. Et terminé, 1 Pierre chapitre 3, verset 10. La clé commencement et la clé finition, nous fermer la main. 1 Pierre chapitre 3, verset 10, il dit, si en effet, quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal. Pour terminer, c'est un ticket où les vivre longtemps dans son ami. Et elle la vie qui est heureux. Elle la vie qui est heureux. Elle la vie qui donne la paix. Du plus, elle préserve son. Préserve son lala. Dès la clé. Un dans un roi, chapitre 3, verset 14. Et dernier dans un pierre. Dès qu'il saute dès la clé. Donc, c'est pour ça qu'il nous dit, nous terminons, chrétien, apprends, vive l'eau. La promesse, avant de la promesse. Qui arrive, qui pas arrivé, pas inquiète-toi. Qui dit mon Dieu, qui te tendait, qui te trouvait, qui docteur Dieu, pas inquiète-toi. Contente-toi, c'est qui bon Dieu fait dire pour toi, pour ton avis. Ça qui te faisait content, ça qui te faisait apprécier. Et tant que tu arrives à vivre comme ça, vive toute la vie vieillesse en paix. Et de la joie Amen. Et être une personne heureuse dans ta vieillesse. Laisse-nous couper la tête, nous bénissons Dieu pour ses paroles.